Bonjour les balances, on se retrouve pour votre horoscope de ce mois de janvier 2022. Donc tout d'abord, je vous présente mes meilleurs voeux. Donc le horoscope, pour rappel, c'est une guidance sentimentale, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ne prenez que ce qui vous parle. Ce sont des tendances générales. Et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos remarques, de vos impressions. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à vous poser une question. Je vous laisse le temps de réfléchir, de poser votre question, hein, bien sûr, en rapport avec votre vie sentimentale. Nous allons découvrir la réponse. On nous dit, on vous dit, tu connais déjà la réponse. Donc la réponse est au fond de toi, elle est en toi, ton âme connaît cette réponse, voilà. On va continuer avec un tirage. Alors, que nous dit-on? Nous avons le page des étoiles et le 10 des étoiles. On est dans l'espérance. Il y a concrètement certainement des vœux qui se réalisent ou alors en tout cas des réponses qui sont obtenues. Mais qui me semble plutôt favorable. Favorable en fait à la situation. Donc il y a aussi, on nous parle de curiosité et d'accumulation. Donc cela peut vous parler. Alors ça peut être pour certaines personnes qui sont célibataires. Voilà, une curiosité vis-à-vis de quelqu'un. Et cette curiosité vous amène en fait à découvrir un certain nombre de choses. En couple, on peut nous parler tout simplement du fait d'apprendre en fait de la relation et voilà, d'obtenir des informations, d'avancer, de grandir, d'évoluer. Et sur le plan matériel également. Donc on poursuit. Avec un tirage plus complet. Alors, pour vous, donc les balances, hein, pour ce mois de janvier. Alors, vous voyez, la carte de la curiosité revient. Hein. Il y a de la vitalité, il y a de l'énergie, il y a de l'amour. On avance, on s'éloigne de peut-être d'une relation récente ou ancienne hein, qui a causé un sentiment d'abandon. On abandonne en fait aussi des énergies, on va dire, contraires à celles qui sont solaires. Donc on va vers de la vitalité, vitalité, énergie, donc énergie romantique, énergie aussi donc amoureuse, voire même en termes hein, de libido. Donc
Voilà, il y a beaucoup de vitalité et il y a sans doute aussi une victoire qui s'annonce, une réussite par rapport à des ressentis, par rapport aussi à une situation où, je me répète, mais où on parlait, enfin voilà, où un sentiment d'abandon était présent. Donc on dépasse cela avec le soleil. On fait face à cette situation, on va de l'avant. On va de l'avant, on avance avec cette belle carte de l'avancée. Donc avec le 4 des étoiles, il y a le fait d'être vif, d'être curieux en ce mois donc de janvier, vous amène en fait à une vitalité nouvelle. Vous partez sur de nouvelles bases et l'avancée n'est pas que... qu'au niveau du désir, elle se concrétise aussi dans la matière et clairement, eh bien, il y a de l'ancrage et vous recevez autant que vous pouvez donner, hein, il me semble que vous donnez également, il y a une générosité, cette générosité et cet équilibre que vous trouvez entre le donner et le recevoir vous amène à vibrer vraiment avec amour. Donc nous avons ici pour certains possiblement un démarrage de relation avec l'as des cœurs. Donc soit un nouvel amour, soit un amour, on va dire, pur, sincère. On peut parler aussi de l'amour inconditionnel. Hein. Mais voilà, vous recevez de l'amour en ce mois. Autant que vous avez pu donner, autant que vous donnez, peut-être auparavant, vous étiez vous refermé. En tout cas, là, on nous parle d'une avancée positive avec des vibrations très bah justement vitale, vibrante positivement, et vous avancez vers la voie en fait de l'amour. Donc on va voir plus en détail ce que je peux vous délivrer comme information supplémentaire. Donc par rapport donc aux balances, à la carte du soleil et aux 10 des anges, peut-on me dire de plus? Curiosité et l'avancée. Alors pour certains, vous avez certainement peut-être aussi hein, envie de découvrir l'autre, envie de découvrir ce qu'il se passe et ce qui pourrait se passer. Il y a vraiment un désir, une envie et une envie d'avancer ben seul, mais aussi pourquoi pas vers un ou une autre personne. Alors, que peut-on me dire de plus par rapport à cela? Par rapport à l'amour et au fait de recevoir. Alors voilà, le sentiment d'abandon était lié à un rejet, vous voyez, vous allez. Donc le sentiment d'abandon était lié à un rejet, peut-être de la part voilà, de votre autre ou de la personne avec qui vous partagez ou vous partagez votre vie. En tout cas, il y a une guérison qui s'annonce et du coup une réussite hein, avec le soleil. Ce qui veut dire qu'on dépasse les difficultés qu'il y a pu y avoir. Vous avancez aussi, tout à l'heure je vous parlais de curiosité et d'avancer, c'est aussi relié aussi à des rêves, donc des rêves, les rêves on va dire la nuit, mais aussi les rêves éveillés, c'est-à-dire vos désirs, vos envies, vos fantasmes, voilà, tout est lié en fait aussi, je vous parlais aussi de libido, voilà, on peut parler de cela aussi, c'est-à-dire on a envie peut-être aussi d'expérimenter, de retrouver l'autre et de vivre aussi la relation pleinement avec toute l'énergie vitale correspondante à vivre aussi avec l'attirance, le désir aussi sexuel. Ça me parle de cela. Le fait voilà, de vibrer aussi dans l'amour et de recevoir ce mois-ci, vous voyez, c'est relié aussi à l'amour de soi. Hein.
Vous avez sans doute travaillé là-dessus, d'où la guérison qui arrive. Et il y a un effet miroir hein, vis-à-vis de l'autre. L'autre vous a renvoyé un certain nombre de choses. Vous avez pris conscience aussi de ce qui a pu probablement se passer. Il y a une grande avancée ce mois-ci et on retrouve un équilibre. On trouve un équilibre en s'apportant aussi beaucoup d'amour. Le fait de vous apporter de l'amour, eh bien, c'est aussi recevoir de l'amour éventuellement de votre autre, mais aussi de l'univers. Donc c'est vraiment voilà, de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Voilà pour ce tirage. On va poursuivre. Avec un autre message. Pour les balances. Alors, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Là, je dirais que c'est vraiment une avancée au niveau spirituel. Nous parlions de l'avancée tout à l'heure et de la guérison, de l'effet miroir. Et du coup, vous avancez tellement personnellement d'un point de vue spirituel que votre sphère affective amoureuse en est influencée. On vous parle également d'une relation d'une vie antérieure. Vous vous connaissiez dans une autre vie. Donc là, on nous parle certainement d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle et on vous dit que votre relation est conditionnée par cette vie antérieure aussi. Donc il y a comme pour certains aussi des personnes qui peuvent se retrouver par rapport à une vie d'avant, mais ce peut être aussi la prise de conscience du fait de ce que vous avez pu vivre ensemble, que la relation pouvait être karmique, que la relation pouvait être liée en fait à tout ce qui est vie antérieure. Pour terminer, un petit message soit de votre guide, soit d'un de vos guides, ou soit de votre autre. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors, souvenez-vous, hein, nous avions la carte des rêves également. Donc, vous pouvez utiliser les rêves à bon escient, mais pas à mauvais escient. Et on accueille le pardon. On le donne, mais on le reçoit également. C'est le conseil qui vous est délivré, donné par votre guide. Voilà les balances. J'espère que votre horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. Si vous en avez envie, je vous dis à très vite.